Après la tempête, le calme est revenu entre le ministère de la Culture et des Arts et les artistes. Ces derniers sont à la caisse depuis le début de semaine pour toucher leur cachet lié à la prestation au dernier festival Gabon 9 Province qui a eu lieu en fin 2020. Un ouf de soulagement pour ces artistes bien souvent malmenés par l'autorité de tutelle. La satisfaction de l'un d'entre eux au micro de notre confrère Gabon Media Time. Et en ce moment, nous sommes au Trésor, comme vous pouvez le constater. Les artistes sont en train d'entendre leur bon de caisse et vont rentrer tout de suite en possession de leur dû. Voilà. Par ailleurs, Arnaud Jules, puisqu'il s'agit de lui, s'est prononcé sur la problématique des droits d'auteur et du statut de l'artiste au Gabon. Alors nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Parce que le cachet de Gabon de province, ce n'est qu'une épine dans le pied de l'artiste. L'artiste a des Gabonais, des sérieux problèmes, notamment le statut de l'artiste et les droits d'auteur en République gabonaise. Et là, nos prochaines actions, donc la première bataille, c'était celle-là, celle qui nous a permis de nous mobiliser. Hein. Et donc cette mobilisation va se poursuivre maintenant pour le combat, le vrai combat qui est celui du statut de l'artiste, de la reconnaissance de l'artiste au Gabon, donc en promulguant le statut de l'artiste et ensuite les droits d'auteur. Voilà. En rappel, les artistes, managers et autres acteurs culturels avaient envahi les locaux du ministère de la Culture et des Arts pour réclamer le paiement de leurs droits liés à la 4e édition du festival Gabon 9 Provinces.